il trouvera le vrai intermédiaire. Ce n'est que le début. Vous voyez? L'audio que Christ a pu faire passer a été amené à une vie. Je pèse mes mots et j'assume. Écoutez, un autre ministre m'appelle à tout à l'heure. Oui, allô? Mais je ne vais pas bien. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays. Comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Allô? 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 Ah, d'accord. Appel vidéo. Mais c'est pas moi qui ai lancé l'appel vidéo, hein. Mon téléphone déconne. Quand je mets sur l'oreille, ça lance des choses. Allô? Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01-14-15-15. 01-14-15-15. Je vous appelle maintenant. 01-14-15-15. Je vous appelle maintenant. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro Tibafoui Diop. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui, Christ Yapi fait sortir un audio d'où dans lequel il dit que Camille Makosso allait prendre de l'argent avec Tiene Brahima. Or, cet audio, je l'ai amené le 29. juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet auto peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que lui aussi il avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tiene, donc pour savoir comment ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non. Moi j'ai vu les films mondiales et j'ai présenté la vérité. Le reste du sujet. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le premier ministre est mort, Makosso maintenant va aller faire allégeance. Or, j'amène la paix parce qu'il ne savait pas qu'il avait retenu l'audio. Donc, je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès du conseil du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Tiene Brahima, avec Sidiki Konaté, qui m'a dit laisse en bas, celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? Tandis qu'on sait que vous avez été des rebelles. Moi, j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais premier, le fait, toi, tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle? Attends, tape. Donc, monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs à faire le sortir la top de Soro Tibafoui Diop dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Je ne sais pas. Mais c'est... qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. Ah, c'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Laissons passer les obsèques, ça marche. Ça marche. Merci bien, monsieur. Merci bien, monsieur le ministre. J'aimerais dire une chose pour conclure. Je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis dans l'immobilier. 750 millions de chiffres d'affaires par an, ça me suffit. Faut pas qu'on me mette dans le groupe des gars qui sont autour du premier. Il n'était pas autour de lui. Il est tombé fond de moi. Il sait que j'ai 10 350 pasteurs avec moi. Donc, il a besoin de Makosso. Si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte. Et c'est vous l'avenir du parti. Donc c'est vous maintenant qui devez jouer ce rôle. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Ok. Thank you.